Le 1er janvier 1796, selon le calendrier lunaire, la cité interdite fut témoin de la première cérémonie d'abdication depuis son achèvement. En ce moment historique, l'empereur Qianlong devait vraiment ressentir un sentiment d'accomplissement. Il regardait son fils de 35 ans comme s'il se voyait lui-même il y a plus d'un demi-siècle. La lignée Anzijoro semblait avoir résolu le problème du transfert de pouvoir mieux que toute autre famille royale dans l'histoire. Le 8 octobre 1735, l'empereur Yongzheng mourut. Et Giorgio Hongli accéda au trône sous le nom de l'empereur Qianlong. Cette année-là, il avait 25 ans. Pour éviter la tragédie de son père Kangxi dans ses dernières années, l'empereur Yongzheng au pouvoir établit un système de désignation secrète du prince héritier. Hongli, mon quatrième fils, est d'une nature filiale et bienveillante, a-t-il écrit dans ce décret dissimulé derrière un panneau au-dessus du trône. Hongli, le préféré des petits-enfants, fut élevé et instruit par son grand-père en personne. Dès maintenant, je le désigne comme prince héritier pour me succéder. Dans le nom de Qianlong, Qian représente le ciel ou le Yang, soit le plus puissant. Alors que Long signifie la montée. Comparé à ses prédécesseurs Kangxi et Yongzheng, prudent et relativement modéré, le jeune empereur Qianlong avait, lui, un esprit plus ambitieux et agressif, comme l'indiqua son nom de règne. Dans l'histoire de la Chine, la passation du trône fut souvent turbulente, voire même sanglante. Cependant, l'intronisation de l'empereur Qianlong fut juste et ouverte, dans un processus tout à fait normal. Il hérita d'un royaume envié par tous les empereurs. Après 74 ans de pouvoir des empereurs Kangxi et Yongzheng, la dynastie Qing était à son apogée. La tâche confiée à Qianlong fut de suivre l'exemple de ses ancêtres et de porter la dynastie au sommet de sa prospérité. Il en avait les capacités et encore plus l'ambition. Parmi toutes les œuvres de la collection de l'empereur Qianlong, la peinture « Montagnes et rivières lointaines » de Wang Ximeng, jeune talent des Song du Nord, était l'une de ses préférées. À la fin du rouleau, l'empereur a inscrit un poème. « Les montagnes et rivières s'étendent à perte de vue, emplies d'une vitalité sur toutes les scènes. » Une œuvre unique et incomparable sous la dynastie Song du Nord et depuis l'âge d'or des Tang. Une toile émerveillant les souverains de l'époque et touchant les grands maîtres d'autrefois. On ne peut que contester celui qui a cultivé un tel talent de commettre une erreur impardonnable.
Dans le poème, Qianlong demandait à l'empereur Huizhong des Song s'il a pu reconnaître le talent de ce jeune peintre. Pourquoi diable a-t-il confié à quelqu'un d'aussi corrompu que Tsai Jing la lourde responsabilité de gouverner le pays ? En tant qu'empereur, le point de vue de Qianlong montra que ses commentaires étaient plutôt politiques qu'artistiques. C'est vrai que par rapport aux autres empereurs, il avait une vision plus claire du pays qu'il gouvernait. L'empereur Qianlong était un homme très persévérant et discipliné, avec une vie bien ordonnée comme le tic-tac de son horloge préférée. En hiver, à 6 heures du matin, il faisait encore nuit à la cité interdite. Pourtant, pendant 60 ans, il s'est rendu chaque jour à la cour, à l'heure ou en avance, et même lorsqu'il était malade. Un historien de la dynastie Qing consigna avec ses propres mots l'efficacité de l'empereur Qianlong. Tous les matins, vers 6 heures, le souverain quittait sa demeure dès l'aube. Nous étions plus de 10 de permanence et déjà fatigués du service du matin pendant au moins 5 ou 6 jours. L'empereur, lui, le faisait chaque jour. Lorsqu'il y avait des batailles dans l'ouest du pays, à l'arrivée du rapport militaire, il le lisait tout de suite, et même en pleine nuit. Puis il convoquait le ministre du Grand Conseil pour lui donner ses instructions avec un décret comptant souvent des centaines de mots. J'étais chargé de la rédaction des documents, et cela prenait parfois une heure ou deux entre la rédaction et la soumission d'un ordre. Mais l'empereur attendait et se tenait à proximité. Il s'agit là clairement de l'image d'un monarque travailleur et minutieux. Il faut dire que l'empereur Qianlong était talentueux et en bonne forme physique. Sous une telle pression, il put gérer aisément les affaires administratives. Il effectua 6 inspections dans le sud du pays, laissant de nombreuses peintures, des calligraphies, des poèmes et faisant des exercices militaires. Que se serait-il passé avec quelqu'un d'autre au pouvoir, moins doué et moins efficace ? Selon les critères des anciens empereurs chinois, Qianlong fut un monarque sage et avisé. Il avait compris l'essentiel, une vérité simple. L'eau peut supporter un bateau, mais elle peut aussi le renverser. Si le peuple ne peut plus se nourrir, alors la dynastie est morte. La toile « Cinq bœufs de labour » est un grand chef-d'œuvre datant de la dynastie Tang. Conservée à la cour durant la 17e année du règne de Qianlong, chaque fois qu'il voyait ce tableau, il était impressionné par le dur labeur des paysans et par l'importance de l'agriculture pour le pays. Comprendre les difficultés du peuple en posant des questions. Voilà ce que représente la peinture « Cinq bœufs de labour » où l'empereur exprima à plusieurs reprises ses préoccupations face à la souffrance de la population. Après avoir accédé au trône, sa première grande décision fut donc d'exonérer la taxe agricole, imposée depuis de nombreuses années dans tout le pays.
D'un impact énorme, cette politique redonnait espoir au peuple pour une société traditionnelle où la taxe agricole était la principale recette fiscale. Aujourd'hui encore, la section Hangzhou du Grand Canal est une voie navigable très fréquentée. Reconstruit lors de la 53e année du règne de Kangxi, le pont Gongchen qui enjambe le canal est toujours aussi impressionnant. Confucius disait « Gouverner avec la vertu, c'est comme l'étoile polaire entourée de toutes les étoiles ». Le nom Gongchen signifie en fait que le peuple soutient le dirigeant qui pratique une gouvernance bienveillante. Le nouveau musée sur le thème du Grand Canal Beijing-Hangzhou est établi sur le côté est du pont. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines du port de Beijing. Des fondations de piliers robustes aux chaînes de fer rouillées. Difficile d'imaginer que des cargos s'y croisaient en voyant les branches de saules se balancer au passage des bateaux. Sous les dynasties Ming et Qing, c'était un port et point de collecte de taxes pour les navires de commerce à destination ou en provenance de Hangzhou. Sous le règne de Qianlong, même si le Zhejiang n'a pas versé autant d'argent au gouvernement central par rapport au Jiangsu, sa contribution n'a jamais eu de retard. Pour cette raison, l'empereur publia un décret exemptant la province du Zhejiang du paiement de 300 000 taels de taxes pour n'avoir jamais manqué à ses obligations fiscales. La stèle impériale portant l'inscription de ce décret se situe aujourd'hui dans l'ancien bourg de Tangxi, proche de Hangzhou. Lors de ses 6 inscriptions dans le sud, Qianlong avait visité Tangxi 3 fois. Il a dû donc voir de ses propres yeux le pavillon et la stèle. D'après le philosophe Mencius, un vaste territoire et une grande population prospère, ce n'est pas seulement le souhait de l'empereur, mais aussi l'attente de chaque famille ordinaire. À l'ère de l'agriculture, la population fut la ressource la plus importante. Au cours des 60 années du règne de Qianlong, la population chinoise a augmenté de 108%, représentant 34% de la population mondiale. Connaissant bien l'histoire, l'empereur Qianlong savait que les paysans affamés seraient les plus dangereux adversaires du pays. Introduit en Chine au milieu et à la fin de la dynastie Ming, la patate douce et le maïs n'ont pas réussi à sauver l'empire de la famine, mais sont devenus l'aliment de base pour une population de plus de 300 millions d'habitants pendant la période Qianlong. À cette époque, les terres arables du pays dépassaient 1 milliard de mous, soit plus de 66 millions d'hectares.
Dans le nord, la culture de la patate douce était largement promue, alors que dans d'autres provinces, Sichuan, Hubei, Shanxi, Anhui, Guangxi, le maïs était cultivé dans toutes les montagnes et les vallées. Durant cette période, les réserves financières nationales de l'Empire Qing ont atteint un sommet sans précédent. La 58e année de Kangxi, le stock d'argent a représenté un maximum de plus de 49 millions de taël. Sous le règne de Yongzhen, ce chiffre a dépassé les 60 millions de taël. Puis, l'empereur Qianlong compta sur plus de 70 millions durant des décennies. Plus tard, la réserve la plus élevée atteint 80 millions de taël. En termes de puissance financière du gouvernement central, l'âge d'or de Kangxi à Qianlong fut le record historique de la civilisation agraire chinoise. Dans l'histoire de la Chine, l'un des symboles d'une ère de prospérité est la porcelaine. La porcelaine représente une admirable culture. Pendant l'ère des Kangxi, Yongzhen et Qianlong des Qing, grâce au développement de l'économie artisanale et au progrès des techniques de production, de nombreux objets en porcelaine d'un grand savoir-faire ont vu le jour. Parmi les 1,86 millions d'œuvres d'art du musée du Palais impérial, on compte environ 350 000 pièces de porcelaine auxquelles s'ajoutent plus de 30 000 spécimens provenant de plus de 150 fours importants, représentant pratiquement un cinquième de la collection du palais. Aujourd'hui, la salle des céramiques, abritée au pavillon des prouesses militaires du musée du Palais impérial, présente une collection de porcelaine provenant du four impérial de Jindezhen sous le règne de Qianlong, considéré comme l'apogée de cet art. Cette période fut une époque faste, avec une puissante nation, une économie prospère et une stabilité sociale. Ce qui donna à l'empereur l'occasion d'apprécier la porcelaine. Un jour, soudainement, il voulut réaliser un vase en porcelaine d'une seule pièce de différents émaux et couleurs. Selon des calculs ultérieurs de plusieurs érudits, pour la réalisation d'une telle pièce de porcelaine, la probabilité de succès était d'environ 2,3%. Et ce ne fut qu'un modèle de calcul parfait, qui était alors loin d'être atteint. Cependant, cette idée si audacieuse n'a pas dissuadé Tang Ying, âgé de 66 ans et superviseur de la poterie, d'envoyer les meilleurs officiers collecter des fragments des fours les plus prestigieux, Ge, Zhou, Jun, Ding, Longxuan et Xianru. Après de nombreux essais, finalement, un miracle eut lieu. Ce grand vase de divers émaux et couleurs, connu sous le nom de mer de porcelaine, est l'une des plus brillantes œuvres de porcelaine du musée. Vous avez vu ça, non ? Dans ce petit bâtiment, il y a 15 层de peinture. Nous disons que la terre est la mère, elle contient tout. Ce petit bâtiment contient les principaux de ces espèces de pierres. 所以人们给它起了个名字叫慈母。这里边你看这个青花、窑变、
豆彩、粉青，还有仿官仿乳仿鸽，这些都属于高温釉彩，要烧到1300度以上。严格说，那个松石绿釉是带点中温釉，然后其他那种阳彩，还有这种描金，这些呢都是属于这种低温釉彩，700-800度。所以说，大八个种高低温釉彩都集中在这一件器物上，把它烧出来是很不容易的。所以说，这件器物呢，集中体现了中国瓷器发展史上。 L'empereur Qianlong aimait beaucoup la porcelaine du sud du fleuve Yangtze et était fasciné par les pavillons sous la pluie brumeuse de cette région. Après 15 ans de pouvoir, il décida de refaire la tournée au sud de son grand-père, l'empereur Kangxi, pour inspecter les travaux hydrauliques, aller à la rencontre du peuple et des fonctionnaires, accorder la grâce à la noblesse et exonérer des impôts dans la région ce dont il rêvait depuis longtemps. Un voyage de plus de 2900 km pendant 112 jours. Imprégné de poésie tout au long de l'itinéraire, l'empereur a écrit plus de 520 poèmes. Le peintre de Suzhou, Su Yang, donna vie aux poèmes de l'empereur et créa la carte de la tournée du sud de Qianlong, présentant 12 scènes en une série de 12 peintures en rouleau. Cette série de peintures d'une longueur de 154,17 mètres représente des scènes de la première visite de Qianlong au sud du fleuve Yangtze. Routes et ruelles denses, marchés florissants, champs agricoles qui s'entrecroisent et de splendides paysages de la région. L'empereur fut accueilli partout par les fonctionnaires et habitants locaux. Les rouleaux décrivent diverses scènes de l'inspection. La vie en ville et ses magasins, la livraison des marchandises, les théâtres, les acrobates, les bûcherons coupant du bois, les paysans dans les champs. Tout cela est finement peint et se déroule comme un film. Le vaste territoire de l'Empire, la campagne pittoresque, les montagnes et paysages n'ont pas échappé au pinceau de Su Yang, reflétant bien l'âge d'or de la dynastie Qing. Rédiger l'histoire au changement des dynasties et rédiger les livres dans une ère prospère, c'est une tradition culturelle millénaire en Chine. En 1776, un bâtiment vert s'éleva des toits dorés et des murs et portes vermillons de la cité interdite. C'était le pavillon de la profondeur littéraire, une réplique du pavillon du ciel unifié à Ningbo au sud, la région préférée de l'empereur, édifice qui est devenu la bibliothèque de la cour impériale. Contrairement aux murs extérieurs de la cité interdite, pour la plupart pourpres, les murs de ce pavillon étaient gris, avec des colonnes et ses fenêtres vertes, des toits de tuiles noires vernissées et des bords verts. Sachant que le noir domine l'eau et réprime le feu, ce concept ancestral fut utilisé pour protéger la bibliothèque. Sa construction est liée à un grand livre compilé sous l'ordre de l'empereur Qianlong.
Pour un souverain, la rédaction de livres est l'action qui reflète le mieux sa compétence. L'empereur Qianlong entreprit d'inclure toutes les réalisations culturelles de l'histoire chinoise en compilant une magnifique bibliothèque accomplie des quatre trésors. Ce projet demanda 13 ans de travail pour couvrir les principaux domaines académiques de la Chine ancienne, l'astronomie et la géographie, les normes des relations humaines, l'histoire et la philosophie, la nature et l'art, l'économie et la politique, l'éducation et l'examen impérial, l'agriculture, la pêche et l'élevage, et les métiers et la médecine. En 1776, ce grand livre en 36 300 volumes fut solennellement placé dans le pavillon de la profondeur littéraire. Seize ans plus tard, l'empereur ordonna une reproduction de cette collection de livres en 6 exemplaires. Le pavillon de l'essence littéraire, dans la résidence d'été impériale, fut l'un des 7 sites de sauvegarde. Regarder une王朝，它是不是盛世啊？除了这个军事和经济方面，最重要的是文化。 啊，永乐时候有《永乐大典》，乾隆时候有《四库全书》。幸运的是，在乾隆时代，他对这个我们的农耕文化呢，分门别类的，他做了一次总结。没有这个总结的话，我们可能这个文明在面对一个新来的文明的冲击的时候，我们可能就很多东西保存不下来。 Qianlong est sans aucun doute l'empereur le plus peint de la collection de la cité interdite. Qu'il soit en costume de la cour, en uniforme militaire, en tenue décontractée pour la lecture, pour jouer au tsin, chasser ou observer les paysages, il aimait vraiment prendre la pose. Le pinceau de l'italien Castiglione a capturé des moments historiques que les empereurs des Qing espéraient préserver, mais dans un style traditionnel chinois. L'empereur Qianlong à la parade militaire représente la scène du défilé militaire de l'empereur à Nanyuan, la banlieue sud de Beijing. Sur la toile, Qianlong est représenté à cheval en armure cérémonielle, avec l'allure et l'assurance d'un monarque. Ici, la peinture est bien détaillée. Le dragon sur l'armure, la couleur de la selle, l'épaisseur des nuages et les plumes de la flèche. Tout est peint avec délicatesse et vivacité. La lumière métallique froide sur le chapeau est perceptible à travers le cadre. À une époque sans la technologie photographique, l'Italien a immortalisé les vrais visages des empereurs, de Kangxi à Yongzheng et Qianlong, et de certaines de ses concubines. Qianlong avait une peau très claire, un pont nasal haut et un nez crochu, la partie la plus proéminente de son visage. Pas très grand, il mesurait entre 1m60 et 1m70. Durant cette période, Giuseppe Castiglione fut peintre et architecte. Ses connaissances de l'architecture occidentale, apprises en France quand il était jeune, se sont révélées utiles. L'empereur lui demanda de superviser la construction d'un somptueux jardin occidental. Pour Giuseppe, ce fut une tâche extrêmement difficile. Les documents architecturaux européens et de deux missionnaires, Jean-Denis Attiret et Benoît Michel, l'ont beaucoup aidé. Mais c'est l'empereur qui l'inquiétait le plus. Enthousiaste pour ce projet, Qianlong avait ses propres idées sur de nombreux détails.
À maintes reprises, les croquis de conception des jardins et des fontaines furent modifiés. Le jour de l'achèvement du jardin, les membres de la famille royale sont venus observer le procédé occidental pour l'eau située au centre du site. Les 12 têtes d'animaux du zodiaque chinois crachaient toutes les 2 heures de l'eau à tour de rôle et chaque jour à midi, tous ensemble. Selon les archives impériales des Qing, lorsque toutes les fontaines fonctionnaient en même temps, le bruit s'entendait à plusieurs kilomètres de distance. L'empereur espérait un monde merveilleux, que ce soit sur la terre ou au paradis, et voulait posséder toutes les splendeurs de l'univers. Aujourd'hui, l'ouverture sur le monde des empereurs de la cité interdite est visible à travers les nombreux objets d'art étrangers exposés à la galerie de Kulangsu, succursale du musée du palais impérial. La grande majorité des trésors d'outre-mer viennent de la cité interdite, notamment des horloges, des montres, des porcelaines européennes, des laques japonaises et des médecines occidentales. Cela montre bien que la civilisation occidentale a eu à cette époque une influence profonde sur le quotidien de la cour chinoise. Les empereurs de la dynastie Qing connaissaient même la technologie avancée des armes à feu de l'Occident. Ce fusil porte l'inscription arme avec mise à feu automatique de la poudre, classée deuxième catégorie et stockée dans l'entrepôt du règne de Kanxi, fabriquée dans le pays d'Angleterre. C'est donc un ancien produit de la Grande-Bretagne. Et c'est à partir de ce pays que l'empereur Qianlong eut sa première interaction avec l'Occident. En septembre 1793, après environ un an de voyage, l'envoyé britannique McCartney, chargé d'une mission spéciale pour célébrer l'anniversaire de l'empereur Qianlong, débarqua enfin en Chine. Il apportait avec lui des instruments astronomiques, des globes, des mousquets et des horloges. De nouvelles réalisations depuis la révolution industrielle. Cet ancien trésor est exposé pour la première fois au musée du palais impérial. C'est l'un des cadeaux offerts par McCartney à l'empereur de Chine en 1793. McCartney pensait que rien n'attirerait plus l'attention d'un souverain chinois que ses nouvelles armes indestructibles. Car à l'époque, dans le contexte de la culture occidentale, rien n'était plus fort qu'une arme Mauser. En retour, le cadeau offert par l'empereur chinois fut significatif. Une pièce de jade appelée Zhuoyi, à la fois précieuse et de bon augure, conforme au statut de la grande dynastie Qing. Le cadeau offert au roi d'Angleterre George III fut une belle pièce de jade blanc et le même présent pour Lord McCartney et son adjoint Staunton, mais en verre. Ces armes à feu et pièces de jade représentaient bien leurs positions culturelles respectives, créant involontairement un dialogue silencieux.
McCartney n'était pas satisfait du cadeau de Qianlong, car sa mission pour ce voyage restait très claire. Il espérait que la dynastie Qing ouvre d'autres ports en plus de Guangzhou, alors le seul port de commerce, et autoriserait l'établissement d'entreprises étrangères à Beijing. Il demanda également de désigner une petite île à l'usage des Britanniques et d'accorder certaines exonérations fiscales. L'exonération fiscale et la cession de terres furent les raisons directes du rejet de la demande de McCartney par l'empereur, mais aussi parce qu'il avait refusé de se prosterner devant lui, ce qui rendit alors Qianlong très mécontent. L'empereur écrivit une lettre au roi d'Angleterre, louant l'obéissance de l'hommage britannique, mais rejetant toutes ses demandes, ce qui fut qualifié comme l'un des courriers les plus humiliants dans l'histoire de la diplomatie britannique. Dans son journal, McCartney exprima sa colère suite à l'échec de sa mission. L'Empire chinois est comme un vieux navire en perdition, et s'il pouvait encore naviguer au cours des 150 dernières années, c'était grâce à quelques capitaines compétents. Avec un homme incompétent à la barre, tout s'effondre et devient instable. Même s'il ne coule pas immédiatement, le navire dérivera comme une épave pour s'échouer finalement sur le rivage. Bien différent des temps prospères de la tournée du sud de l'empereur Qianlong, l'âge d'or de Kanxi à Qianlong, décrit par McCartney dans son journal, fut comme un autre type de décadence. De toute évidence, les mentalités et différentes perspectives déterminent pour chacun des projections psychologiques distinctes des temps prospères. Mais un fait incontestable est que le XVIIIe siècle, où vivait Qianlong, a inauguré un tournant clé dans l'histoire humaine. Elle était inévitablement arrivée à la croisée des chemins. À cette période, l'empereur était déjà vieux, après 60 ans de gouvernance, et les affaires extérieures à la cour furent confiées à He Shen, le ministre préféré de Qianlong, et à ses successeurs. Il a fallu 5 ans à Qianlong, de 1772 à 1776, pour se faire construire un palais et un jardin afin de se retirer du pouvoir et prendre soin de lui. L'empereur, encore en pleine forme, pouvait battre le record de son grand-père Kanxi pour un règne de 61 ans, mais il laissa son prédécesseur conserver cet honneur en signe de respect. Qianlong espérait donc prendre sa retraite et vivre ici après 60 ans de règne. Ayant tout connu en tant qu'empereur, il souhaitait maintenant concevoir et entièrement décorer son domaine selon sa propre volonté, comme si le monde lui appartenait. Plus haut bâtiment du jardin de Qianlong, le pavillon de l'attente du bon augure s'est appuyé sur la solide base financière du règne de Qianlong et l'habileté des artisans du Sud. Ce lieu est devenu un chef-d'œuvre de la décoration intérieure de la cité interdite. Afin de mettre en valeur la beauté de l'intérieur, ce pavillon fut construit en bois précieux, notamment le santal rouge et le nanmu, bois de phoebe, et le très cher calembour fut utilisé pour la décoration intérieure à grande échelle, ce qui est un cas exceptionnel dans la cité.
À l'intérieur, l'avant-toit du pavillon était décoré avec divers éléments les plus précieux de l'époque et réalisés par les meilleurs artisans du pays. Qui sait que les paysages du sud sont magnifiques, dont les meilleurs sont transplantés dans les bras de l'empereur. Le pavillon de l'attente du bon augure a rassemblé tout ce que Qianlong trouvait exceptionnellement beau, montrant son style impérial dominant le monde. Et le nom donné au pavillon, l'attente du bon augure, répondait aux souhaits de l'empereur lorsqu'il était au pouvoir. Quoi qu'il se passe, le patrimoine matériel de l'empereur Qianlong est bel et bien resté au musée du palais impérial, nous offrant aujourd'hui le privilège d'être les témoins de la splendeur de la civilisation et de l'art du XVIIIe siècle. Après les vicissitudes de l'existence, tout dans le pavillon de la longévité tranquille semble avoir retrouvé son aspect originel. La lumière tremble légèrement, traversant la vitre, comme une main balayant doucement la poussière du temps, la joie et la tristesse d'autrefois. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment béni où le temps est calme et les heures passent sans surprise.